Coucou mes petits culs et bienvenue pour cette deuxième partie sur les découvertes de vos salons de Noël, puisque j'avais lancé un petit challenge décoration pour relooker un salon du jeu de base en petit salon de Noël avec vos idées et vos décorations et la façon dont vous voulez voir Noël fêté, peut-être chez vous, en tout cas dans ce salon. C'est la deuxième partie. On reprend donc la visite avec le salon de Oniris 59. C'est parti, on va le découvrir. Comme vous pouvez le voir, on a déjà vu tous ces salons-là. Je vous redirige vers la première vidéo si vous voulez les découvrir aussi. Et là, on va visiter tout ce qui reste. On rentre par la grande porte et oh là là! Et c'est joli tout plein, c'est chaleureux. Cette couleur rouge qui est très omniprésente, mais je trouve qu'elle est très bien dosée en fait. Il n'y en a pas trop. Tu aurais mis un tapis rouge, ça aurait été trop. Mais là, c'est très joli. Et puis en plus, tu as changé les rideaux, la petite décoration avec du vert. Ça fait qu'on est sur des couleurs très traditionnelles de Noël. Et c'est très bien comme ça. C'est simple mais efficace, j'ai envie de dire. On a ce très beau sapin qui est ici, avec des petits cadeaux au pied du sapin et quelques petites choses. En même temps, tu as relooké le salon et tu as laissé des éléments du salon, comme si vraiment la famille s'était dit bon, ça c'est notre salon, on va décorer pour Noël. Et ben on va quand même laisser des éléments parce que c'est logique. Regardez, chez moi, j'ai pas tout déménagé parce que j'ai mis un sapin et quelques trucs. Non, franchement, on fait avec ce qu'on a et j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, t'as mis des petites décos par-dessus les fenêtres, c'est très sympathique. C'est tout mignon, c'est tout simple et c'est très bien respecté. Le petit papier peint et les poteaux de la cheminée, c'est vraiment très mignon. Merci beaucoup, Niri, pour ta participation. En tout cas, on continue avec le salon de MNKPI ou Mankipi, je sais qui tu es. Et c'est parti pour voir ce que ça donne en jeu. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Waouh. Pareil, on est dans les couleurs traditionnelles, rouge et vert. Mais il y a quelque chose qui se passe. Tu as vraiment hyper bien dosé. J'adore parce que le papier peint, comme il est rouge foncé et rouge clair, ça s'alterne très bien avec aussi les rideaux qui sont vert et blanc. Magnifique, magnifique. C'est très joli. Là, on a multitude de cadeaux avec le casse-noisette. On a des nounours, on a encore ce très beau petit gros sapin de Noël et des gros cadeaux. D'autres petites décorations ici, un joli canapé rouge pour réchauffer l'ambiance, un petit bonhomme de neige. Il y a plein de choses un peu partout, c'est très mignon. Avec toujours des cadeaux, il y a des cadeaux partout, c'est génial. C'est que si vous voulez ouvrir des cadeaux, il y en a ici. Avec le petit coin tricot et la chaise à bascule, évidemment, on pourrait quand même se croire chez le Père Noël également, hein. Réellement, on pourrait s'y croire. Oh, qui a tué Nemo et qui l'a collé au mur? Ah, on a trouvé la coupable. La cheminée est bien là avec les poteaux. Tu as rajouté une très jolie toile ici qui fait un peu vintage. Et on voit une multitude de petites choses ici sur la cheminée. C'est très mignon, c'est très bien foutu. L'ambiance est complètement réussie. Franchement, Mankipi, merci beaucoup pour ta participation. Ça fait ultra plaisir. On continue avec le salon de Noël de Juju Coco ou Coco Juju. C'est parti pour l'installation. Après, ce que je vois, c'est encore une fois les couleurs classiques, hein, mais il y a toujours des différences parce que vous avez votre propre vision. On a l'impression d'être dans un champ de pièces qui se ressemblent toutes d'extérieur. C'est incroyable. Et on rentre par la porte du salon. Ah oui, mais c'est joli. Puis c'est chaleureux, le rouge et le vert. C'est pas forcément des couleurs qu'on associerait, sauf quand c'est Noël. Hein, on n'est pas d'accord? Ici, tu as même assorti le tapis avec des petits sapinous. Canapé rouge et fauteuil vert. Oh, attendez. Ici, on a le très beau sapin décoré avec des cadeaux, des flocons et des décorations collées sur les murs. Mais regardez ça. Oh, la petite table de Noël avec des petites miniatures. On a le petit sapin miniature, le Père Noël à la plage. Évidemment, il a le droit aussi de prendre des vacances hein, de temps en temps. Avec un bonhomme de neige. C'est hyper cute, c'est hyper mignon, c'est super chaleureux. J'aime beaucoup l'ambiance. En plus de ça, bon, ben, y a toujours les petites décorations partout, les bougies, les globes, tout ça. C'est typique, hein, c'est très bien. Et le petit arbre lumineux ici, pourquoi pas, à l'intérieur de la maison. Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein, et puis quelques petites décorations et la guirlande tongue illuminée, évidemment. Et ben merci beaucoup Coco Juju pour ta participation. On passe à la prochaine.
Le prochain salon, c'est celui de Yuri2188. Tu as pris un grand plaisir à faire ce challenge. Et ben merci beaucoup, ça me fait super plaisir de lire ça. Et on va le visiter tout de suite. Ah, mais toi aussi, tu as mis des décorations extérieures. Ce fut le cas pour quelques-uns de participants. Pas tout le monde, mais il y en a eu. Comme j'ai mis un papier peint d'extérieur également au salon, ben, vous pouvez très bien le décorer à l'extérieur pour le reprendre, pourquoi pas, faire une maison après tout autour, puisque bah... c'est un salon fonctionnel, hein, c'est une pièce à part entière, vous posez ça sur votre terrain et en plus bah, vous pouvez construire une maison autour. Ça peut être un prochain challenge ça. Allez, on passe cette première décoration et on rentre. Oh oui, oh j'aime bien l'ambiance avec le papier peint argenté qui donne une petite touche d'hiver réchauffée par tout ce rouge. C'est très très sympathique, vraiment très mignon. Et puis nous avons bien sûr toutes les décos classiques de Noël, hein, de la déco de porte, la guirlande avec les branches de sapin, la jolie cheminée, un écran télé, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on est dans un salon quand même et qu'il faut bien s'occuper de temps en temps. Tu as mis également des décorations au plafond et sur les fenêtres. Oh, tu as fait un petit hôtel ici avec un petit casse-noisette, là, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est... Non, c'est pas un casse-noisette, c'est on dirait un soldat de... en Angleterre là avec les trucs moumoutes. La petite lampe bougie très mignonne. On a le petit on a le freezer bunny également avec une couronne de Noël et puis le sapin bien sûr, hein. Avec les cadeaux bien sûr au pied et les petites guirlandes un peu partout et puis toujours les casse-noisettes et les bougies et la petite cheminée spéciale de Noël évidemment. Très très sympa, c'est chaleureux, on se sent accueilli, moi j'aime bien ce salon et je te remercie beaucoup pour ta participation. On passe à Bobonne92 pour ce prochain salon qui m'a l'air d'être très original. On rentre pour découvrir le pièce du plaisir. Oh oui, alors là on est parti sur une ambiance très claire. Ça change beaucoup de tous les autres qu'on a vus. Moi j'aime bien, hein. C'est des divisions différentes et puis ça change et ça fait du bien également. Ah, alors, c'est clair, mais c'est chaleureux. Parce que, vous voyez, on voit le siège avec la moumoute, on voit le sol avec les moumoutes. C'est la belle cheminée avec les bûches apparentes, tout ça. Oh, c'est très sympa. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors, on rentre, on a un espace un petit peu entrée, porte-manteau, miroir. On a déjà des décorations ici. Tu nous as créé des meubles sur mesure. Très bien, très sympa. On a cette magnifique pièce de feuillage. Qui tu l'as très très bien mis, tu as vraiment bien pensé à la chose. On a ce très beau sapin de type blanc et doré. Ça change un petit peu. Oh oui, le petit train, génial. Oh ouais, c'est top, tu as bien pensé. Oh oui, ça fait comme si on avait un cadeau ouvert et on a une petite poupée à côté. Mais c'est vraiment très cute. Quelles bonnes idées tu as. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mis des broderies à l'intérieur de cette décoration. C'est des broderies avec... des Pères Noël? Mais c'est excellent! Mais c'est génial! Je savais même pas qu'il y avait ça dans la galerie non plus. On découvre des choses. Hein. Et ici, nous avons deux photos. Merry Christmas et un joli petit sapin également. C'est hyper sympa. J'aime beaucoup l'univers que tu as créé. Avec bien sûr beaucoup de choses dispo. Le seau de champagne, les crackers, les biscuits de Noël. L'appareil photo pour immortaliser bien sûr les souvenirs. Et un très grand canapé pour accueillir toute la famille. T'as mis beaucoup de verdure également, ça me plaît énormément. Ah oui, et puis t'as utilisé le dernier kit de plantes. Et ça, c'est cool, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. En tout cas, on passe à la suite. Le prochain salon a été créé par Pompe, ta Sims. C'est un pseudo très sympa. En tout cas, on ne l'oublie pas. Et c'est parti pour la découverte. Attention, on rentre. Et oh là là. Oh, pareil, ici, c'est... ça me fait penser... Bah, en fait, c'est traditionnel et en même temps reposant. C'est reposant parce que, je sais pas, il y a une ambiance tamisée qui fait que... on est bien, on est... Oh, c'est chaleureux, tradit et reposant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup... Tu as collé des petites décorations partout. On reconnaît l'espèce de truc en feuille là. Je ne sais jamais comment l'appeler, mais il est trop beau. Je l'aime trop. On a des décos de partout. On a la belle vieille cheminée qu'on a via la campagne. On a un meuble moderne à côté avec des jolies plantes. Ah ouais, 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 avec plein de décorations de Noël, des lampes.
Ici, on a encore plein de choses. Alors, c'est très feuillu, hein. Il y a beaucoup de branches de sapin qui ont été utilisées, ce qui donne peut-être le côté aussi très chaleureux. Et ici, on a le très beau sapin qui restait quand même assez nu, mais il a son étoile en haut. Les petites loupiottes qui sont comprises dans les branches, ça fait tout. Moi, je les aime beaucoup, ces sapins-là, parce que même s'ils sont pas décorés, ils restent très, très jolis. Ici, on a la petite table avec les bougies, les cartes de vœux et tout ça. Ça fait vraiment très mignon, très tradi. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y a le petit coin tricot avec la chaise à bascule pile en face de la cheminée. Comme ça, tranquille les soirées d'hiver. On tricote au coin du salon. Et bien sûr, le petit coin canapé, là également, avec les rennes en bois. Et ben, c'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup ce que tu en as fait également. Et je te remercie pour ta participation. Le prochain salon, c'est celui de Miliv Chan, qui l'a décoré. Ça me fait plaisir. C'est parti, on découvre. Oh, oh là là, très, 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 très joli. J'aime bien, là, tu as utilisé le papier peint de vie à la campagne, et ben ça donne complètement une autre ambiance. Ça fait encore un petit peu tradie mamie. Ouais, ça fait mamie, mais mamie chaleureux et clair. Parce que là, on a des très beaux fauteuils et canapés. Pareil, qui font un petit peu vieillot sur les bords, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, du coup, cette ambiance avec des vieux canapés. On a quand même le petit fauteuil tout mignon pour enfants. Oh, toi aussi, t'as fait le train-train de Noël, le train-train du sapin. C'est trop bien, c'est trop cute, c'est trop bien d'avoir pensé. On a aussi sorti le beau bateau, pourquoi pas, ça peut être un joli cadeau. On a les chaussures au pied du sapin, tous les cadeaux, oh là là, c'est très sympa. Avec un petit avion également, pour, c'est des jouets pour enfants, hein, un truc de maquette et tout. Avec pas mal de photos ici et de cadres, sûrement de la famille qui y vit. Avec toujours beaucoup de décorations et des petits stickers qui ont été sûrement collés par les enfants et tout ça. C'est très sympa. Une belle grande bibliothèque. Ah, c'est vraiment très très cute. Ici aussi, on a des petits stickers encore. Ah, il est trop mignon, lui, sur la fenêtre. J'aime beaucoup ta version du salon parce que ça sent le salon qui sert pour la vie, mais qui a été décoré un petit peu plus pour Noël. Et c'est ça qui donne aussi une ambiance très sympathique parce que c'est pas trop, et en même temps ça fait tout. Et je te remercie énormément pour ta participation. Prochain salon, c'est celui de Arnac Belin 924, et c'est parti pour la visite. C'est parti pour la visite de ce salon. Oh bon, on reste dans une ambiance très claire, très mignonne. Oh, j'aime bien. Alors ici, on a déjà une console avec plein de cartes et de déco. On a de la petite déco un peu sur les murs également. Ici, le portrait de grand-mamie, des plantes, toujours des plantes. On a un très beau salon ici pour avoir beaucoup de place pour fêter Noël en famille, avec des poufs devant la cheminée. Et on a bien sûr le coin du beau sapin avec la myriade de petits cadeaux en bas du sapin. C'est très simple, mais c'est très joli. Ici aussi, on a les petites décorations avec le vieil appareil photo et tout ça. Très mignon, c'est très clair, mais pareil, comme je disais, hein, ça fait très salon dans lequel on vit, mais qui sert également de joli salon d'exposition pour Noël, et à le faire en famille vu le nombre de places disponibles. Et c'est vraiment très cute, c'est tout joli, tout simple. Moi, j'aime bien aussi, c'est très beau, et en plus c'est clair au niveau des couleurs, donc c'est top. Merci à toi pour ta participation. Le prochain salon, c'est celui de Mariusama. J'ai galéré de fou, mais là, attends, et ben merci déjà, et on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour la visite de ton salon. Oh, oh, waouh! Alors là, au niveau couleur, on est servi. Ambiance très claire, mais aussi très colorée. Moi, ce que je vois, j'ai vu en premier, c'est le jaune. On n'a pas eu beaucoup de jaune dans cette décoration. On a eu du côté plutôt bleu et du tradit rouge-vert. Mais là, le jaune m'a frappé. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça change. C'est très coloré. C'est très clair. Oula! Alors là, il y a un micmac de guirlande. J'ai pas envie de démêler tout ça, personnellement. Avec des petites décos ici, on a la chaîne Ify avec les casse-noisettes, les bonhommes de neige. Oula, d'accord, ici on a masse décoration sur la cheminée. Mais ça fait du bien, ça change. Et puis alors, t'en as mis partout des guirlandes, c'est énorme. Avec ici la vieille télé cathodique entourée de bonhommes de neige pour qu'on puisse regarder la télé en famille. Alors ici, il y a masse déco, hein. On a encore des bonhommes de neige ici derrière. On a un salon, on a un espace bureau ici.
qui donne sur la fenêtre, où il y a des décorations, tout ça. Alors là, c'est très, très coloré. Oh, on a les petites plantounes qui sont tellement mignonnes. Et on a le très beau sapin, comme tout à l'heure, qui n'a pas besoin de grand-chose et qui a déjà sa très belle étoile au sommet avec ses jolies lumières et une plantation de cadal. Là, on est dans un champ. On est dans un champ de cadal. Et une partie bibliothèque et toujours des petites plantounes un petit peu partout. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est les guirlandes où il y en a, mais absolument partout. Et c'est hyper emmêlé, surtout ici. C'est beaucoup trop drôle. J'aime beaucoup. Très joli salon, en tout cas, qui ressemble absolument pas aux autres. Alors, c'est vrai que pour ça, je te remercie pour ta participation. On passe au prochain. Le prochain salon, c'est celui de Wonder Lily. Ma modeste participation au challenge, j'espère que ça te plaira. Mais ça me plaît déjà. On est accueillis par cette jolie couronne déjà de Noël au-dessus de la porte. Et c'est maintenant qu'on va visiter l'intérieur. Oh, c'est joli, tout plein. Pareil, il y a eu un petit oupsie avec la boîte aux lettres du Père Noël à l'intérieur. On a déjà des décos partout sur la porte. On a de quoi rentrer. Ah oui, s'essuyer les pieds, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Pour mettre notre petit manteau en entrant dans le salon. Et on a déjà beaucoup de stickers qui sont collés sur le mur. On a un salon avec des jolis canapés de couleur claire, un beau tapis qui va relever un petit peu la chaleur. La chaleurosité du lieu, on a toujours la grande cheminée, on a les décorations, veux-tu en voilà, on en a plein. On en a même mis ici derrière le coin sapin avec les cadeaux évidemment. Et derrière on a aussi un coin bureau avec un ordinateur de dernier cri comme on peut le voir, avec une plante, des portraits. Ici on a une table de jeu, c'est sympa ça. On n'en a pas vu beaucoup des tables de jeu dans les salons, pourquoi pas après tout, parce qu'on est là pour... bah, passer du bon temps, c'est Noël, mais on peut s'amuser également. Ici, on a dès la petite décoration avec les tranches d'orange, évidemment, comme ça pouvait être le cas à une époque pour décorer les sapins. Et ici, une jolie lampe du dernier kit avec les plantées et une petite... Ah, mais attendez, c'est pour la limonade, ça. Qui a bu toute la limonade? Rendez-moi ma limonade. En tout cas, c'est très mignon, c'est très simple aussi et c'est très mignon. J'aime beaucoup l'ambiance, toujours avec des couleurs claires et le canapé un petit peu dans les tons beige. Ça réchauffe l'ambiance et donne un côté cocooning et c'est très agréable. Et merci à toi pour ta participation. Le prochain salon, c'est celui de Lille Axel 22. Oui, le bébé Mouvjack s'est déjà activé, évidemment. Ah, d'ailleurs, la couleur de la porte a été changée. On va voir ça à l'intérieur. Ouh, waouh. Ah oui, je comprends pourquoi elle a été changée. Pour coller aux couleurs de tes murs, puisqu'on en est parti sur du gris et du blanc. Ça change énormément, mais j'aime beaucoup. Ah là là, alors ce travail du canapé dans la bow window avec les rideaux rouges qui ressortent magnifiquement bien, c'est... trop bien. Et je me souviens même pas qu'on avait cette couleur de canapé quelque part. Je découvre complètement et j'aime beaucoup. C'est très cute. Ah, on a le vieux fauteuil de papy, évidemment. Oh, avec les petits cerfs rennes qui sont là sur la table. C'est trop cute. Ici, la méga cheminée. On a les décorations des côtés d'un côté et de l'autre. On a également la petite table avec... les chats qui font la fouette, la télévision et on a le coin canapé tellement cute. Oh là là, et là on a le sapin qui est complètement enneigé avec les jolies lumières. On a toujours l'étoile au sommet du sapin, les cadeaux et le fauteuil du Père Noël avec sa petite moumoute pour pas qu'il ait froid. C'est top, c'est vraiment très mignon. Les stickers sur les fenêtres également, le coin bibliothèque, bureau, avec le petit coin pour le chacha ou le chien-chien. Oh, j'aime trop. C'est vraiment très mignon. C'est très joli. Et tu as bien fait de changer la couleur de la porte pour que ça aille complètement dans tes coloris à l'intérieur de la pièce. Merci beaucoup pour ta participation également, Lille Axel. Et la dernière participation, c'est celle de Marciu Game, ou bien Martial, que vous aurez pu peut-être découvrir dans les vidéos de ce calendrier de l'Avent. Et c'est parti! On est accueilli également par une double couronne sur la porte d'entrée de ce salon. Oh, ambiance très chaleureuse! Oh, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, double sapin! Attention, ce n'est pas un, mais deux sapins. Mais on a carrément une famille de sapins et une famille de casse-noisettes.
Et pourquoi il y a une cabine téléphonique? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux appeler le Père Noël? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très rigolo. J'aime beaucoup, c'est hyper original. Ah ouais, là, franchement, au niveau cadeau et au niveau sapin, on y est à fond, là. Franchement, au top, hein. Là, on a de quoi faire, hein. C'est rouge, ça pète, et j'adore l'idée des doubles sapins. Tu es le seul à avoir mis double sapin, et rien que pour ça, c'est top. Et le reste, nous avons le magnifique canapé, bien sûr, de paranormal. Une belle table basse avec des bougies. J'aime bien le fait que tu aies mis le fauteuil comme ça, avec le petit repose-pied. Ça rend trop bien. Oh! Mais regardez, j'avais pas vu, on a une gamelle. On a une gamelle pour un animal. On a les jolies bougies et le très beau miroir. Là, ouais, carrément. On a également la plante vache ici. On a un autre casse-noisette là. On a la cheminée qui est très jolie et qui a sa petite télé et ses décorations. Les guirlandes lumineuses, bien sûr, qui ressortent très bien. J'aime beaucoup ce que tu as utilisé du vert sombre sur tes murs et du coup les lumières sortent super bien, c'est hyper joli et ça donne une ambiance sombre mais tamisée et très agréable. Et le reste, vu que tu as mis du bois un peu partout, bah ça donne le côté hyper chaleureux en fait. J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées, c'est hyper bien rendu. Ici on a le coin bureau avec l'ordinateur machine à écrire et un gros fauteuil bien cosy. Une chaîne Ifi avec une jolie plante. Ici, on a une table avec le thé qui va être servi, les bougies, les cookies, l'appareil photo, et puis des casse-noisettes en veux-tu, en voilà. Très sympa, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi il y a une cabine téléphonique, mais ça me tue. Ah, mais si, je sais. C'est pour pouvoir appeler le Père Noël tout de suite, si vous n'êtes pas content de votre cadeau. Allô, Père Noël? Non, ça va pas du tout, là, hein. Hé, hey, faut que tu te ramènes tout de suite, hein. Hey, je vais pas attendre, hein. Tu vas me changer le cadeau tout de suite. Ou peut-être aussi pour le remercier, pourquoi pas. En tout cas, c'est très mignon, très sympa. Ah, j'avais pas vu ici qu'il y avait des petites choses. Des oranges, des globes, une bibliothèque et forcément les petits cerfs. Ça, vous avez bien aimé les mettre partout. Et on a de quoi se réchauffer avec le radiateur. Très, très sympa ce petit salon. Et surtout le double sapin. Rien que pour ça, franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à toi également pour ta participation. Regardez-moi tous les salons qui sont là. C'est tout ce que vous avez fait pour ce challenge. Ils sont tous là. Et moi, je vous remercie énormément d'avoir tout simplement réalisé ce petit challenge décoration. Ça m'a permis aussi de voir comment vous concevez la déco et le relooking d'un salon pour les fêtes. J'espère en tout cas que vous passerez un très très bon Noël, que ce soit dans votre salon ou ailleurs. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré pour cette deuxième partie. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. C'est pas déjà fait? Comment ça, c'est pas déjà fait? C'est quand même Père Noël, hein. Je vais appeler, hein. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!